Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une application, un peu spéciale, car on a parfois besoin de savoir où se trouve une lumière, une porte d'entrée, une porte-fenêtre, une ouverture, lorsqu'on se trouve complètement dans le noir. Ce qui est le cas pour certaines personnes déficientes visuelles. Alors, avec notre iPhone, on va pouvoir gérer cette problématique, et ceci grâce à une application qui s'appelle Light Detector. Light Detector. Alors, ce qui est parfait dans cette application gratuite, elle est encore gratuite, c'est quand même assez fabuleux, puisque on trouve pas mal d'applications utiles pour les personnes déficientes visuelles sur l'App Store. Cette application va permettre par Everywhere Technology. On va passer donc à la description. As-tu jamais écouté la lumière ? Avec Light Detector, tu peux le faire. Light Detector transforme en son toutes les sources de lumière naturelle ou artificielle qu'il rencontre. Utiliser Light Detector est très simple. Active l'application et pointe la caméra de ton iPhone dans la direction que tu préfères. Tu entendras un son dont l'auteur augmente ou baisse à la variation d'intensité de la lumière. Si tu es non-voyant, Light Detector t'aide à être plus indépendant dans beaucoup d'activités quotidiennes. Chez toi, pointe ton iPhone vers le plafond pour comprendre où les lustres sont et s'ils sont allumés ou pas. Si tu es dans une pièce, bouge l'appareil au long des murs pour comprendre s'il y a deux fenêtres et où elles sont localisées. Tu peux découvrir si les stores sont ouvertes, abaissées ou à demi-hauteur, simplement en pointant l'iPhone sur la fenêtre et en le bougeant en vertical. Porte Light Detector avec toi et tu pourras découvrir ce qu'il y a autour de toi à la vitesse de la lumière. Voilà, donc comme vous avez pu entendre, cette application va vous aider donc à détecter des endroits lumineux. Par exemple, quelqu'un qui vient chez vous, qui allume les lumières, qui repart, qui les laisse allumer. Si vous voulez savoir si elles sont allumées, vous pointez votre iPhone au plafond et Light Detector va se charger de vous dire si une source lumineuse existe ou pas. Alors, pour les personnes qui, par exemple, font des ateliers, cette application peut être aussi sympa pour des tests, pour se mettre en position déficient visuel. Ça veut dire que vous vous mettez un foulard lors d'applications spécifiques à la déficience visuelle et vous pouvez, avec cette application, apprendre comment, par le son, si une source lumineuse est présente ou pas. Donc on va s'arrêter de parler, on va tout de suite faire des applications justement comme on vient de le dire. En tout cas, merci de regarder la vidéo et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la partager un maximum, partager ma chaîne pour qu'elle puisse toujours monter au niveau de YouTube. On va faire de suite des tests avec Light Detector. Et comme vous pouvez entendre ici, alors ici, vous voyez l'iPhone, on n'a rien. Car sur l'écran, on a un pourcentage de taux de luminosité et on a ce son. Et maintenant, par exemple, on va se déplacer et chercher, par exemple, une source lumineuse dans la pièce. Alors, une source lumineuse, ça peut être tout. Un écran, une ampoule, une lampe. Alors ici, par exemple. Alors normalement, je suis dans le noir. Donc j'étais devant un écran d'ordinateur. Alors, par exemple ici. Je suis là aussi devant un écran d'ordinateur. Je vais par exemple allumer une lumière dans la pièce. Et dirigé au plafond. Donc vous entendez? Voilà ce qu'on peut avoir quand on est face à une ampoule. On était pratiquement à 97%. On va aller maintenant voir une toute petite source de lumière qui est le sapin de Noël. Comme vous pouvez voir, on est totalement dans le noir.
fait, l'intensité que vous entendez, c'est que les guirlandes, au fur et à mesure qu'elles s'allument et qu'elles s'éteignent, voilà donc Light Detector, vraiment une application efficace pour détecter la lumière si vous avez une déficience visuelle, repérer des ouvertures dans une pièce, des portes-fenêtres. Moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite donc de passer de très bonnes fêtes de Noël avec ces petites lumières de sapin de Noël qui s'illuminent. Et moi, je vous dis un grand merci et à très bientôt pour la prochaine démo d'application ou de tuto. Un grand merci à vous et à très bientôt. Salut, à la prochaine.